Maman, as-tu vu mon t-shirt SOS Animaux? Ben non, je l'ai pas vu, ma grande. Bon, ben, je pourrais pas y aller. Je peux pas lire mon texte sans mon t-shirt. Ben, as-tu regardé dans le panier? Oh non, dis-moi pas qu'il est sale. Maman! Oh non, regarde, il y a quelqu'un qui a renversé de l'eau de Javel dessus. C'est pas vrai? Qui a fait ça? C'est peut-être Charles, c'est le dernier qui a fait le lavage. Franchement, il aurait pu faire attention. C'est encore beau que ton père fasse le lavage. C'est sûrement un accident. Ben oui, un accident. Ça me donne pas mon t-shirt, ça. Ben je le sais, ma chouette. D'autant plus que j'en ai fait faire seulement 10 de ce modèle-là. C'est justement pour ça que je l'aimais, c'était le plus beau. Mm. Là, je peux pas mettre ça. Pourquoi je vais avoir l'air? Pourquoi tu mets pas ton beau bleu? Parce que je peux pas lire mon texte sans mon t-shirt. Ben voyons donc, t'es tellement bonne en public. T'imagines-tu que les gens vont regarder ton t-shirt? Ben non. C'est toi qui vas regarder. À moins que tu me passes le tien. Je peux pas, Stéphanie. Tous les membres du conseil d'administration vont le porter, ça me le prend. Bon, ben c'est simple. Je pourrais pas y aller. Pourquoi t'en prends pas celui de Michel? Oh, c'est vrai, ça, j'y avais pas pensé. Michel, me prêterais-tu ton t-shirt de SOS Animaux? Pourquoi tu mets pas le tien? Le mien? Il est plus métal. Regarde qu'est-ce que ça donne quand papa fait le lavage. Ouais, t'es pas chanceuse, hein? S'il te plaît, Michel, tu me le prêterais-tu? Tu peux passer celui-là, si tu veux? Niaise-moi pas, c'est celui de SOSA que je veux. Faudrait bien te le passer, mais... Michel, j'en ai besoin pour la conférence ce soir. Je le trouve plus, Steph. Comment ça, tu le trouves plus? Depuis hier, je le cherche partout. Il n'y a rien à faire, il a disparu. Mais ça se peut pas, ça disparaît pas comme ça, le t-shirt. Je sais, je comprends pas ça. Michel, faut le trouver. Qu'est-ce que ça sent ici? Rien? Non. Il y a une odeur de pizza, Michel. Qu'est-ce qui te prend, là? C'est rare que mon nez me trompe, hein? T'as cache parce que tu veux pas que j'en prenne? Ah non, c'est pas ça. Prends-en si t'en veux. Ben, si t'insistes, Michel. Non, mange-en quand t'en veux. T'es bien gentil. Et que j'aime ça, moi, la pizza, là. Avec quel argent t'as acheté ça, Michel? Avec mon argent. Il me semblait que t'en avais même pas assez pour payer ton billet hier. Ben, quand il s'agit d'aller voir un spectacle rock, j'ai plus qu'un tour dans mon sac, hein. Où que t'as pris l'argent, Michel? Ben, tu changeras jamais, Steph. Une vraie blette. Ouais, ça a l'air louche, ton affaire. J'ai rien fait de mal, OK, là? Mais d'abord, dis-le. T'as pas à le cacher, il me semble. T'es fatigante, là. Allez, dis-le, Michel. OK, mais si tu me promets de pas en parler à maman. Ah, promis, je dirai rien. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Ben, je le jure, c'est la tête à Bozo. OK. C'est simple, j'ai vendu une dizaine de BD. Es-tu malade? À qui t'as vendu ça? À Bégubé. Il venait chercher hier soir, puis qu'il me restait un peu d'argent, là. Ça fait une pide. Es-tu fou? T'as fait entrer Bérubé dans la maison? Tu sais qu'il a pas le droit de venir ici, lui. Oh, il est pas resté longtemps. Il faudrait pas que maman apprenne ça, parce que... Adieu la batterie, mon gars. Ben justement, Steph. Si tu y en parles pas, elle le saura pas. T'es grave, toi. Hein? Le seul gars que maman tolère pas ici, là, tu le fais venir pour acheter tes BD. Ouais, donne un bon prix. Un bon prix. Michel! T'es pas comme moi, toi. Hein? Risquer de perdre 2 semaines de pratique, là, c'est quelque chose. Ouais, mais tu trouves pas ça qu'elle est un petit peu sévère avec lui? On peut pas se plaindre que maman est trop sévère, hein? C'est plutôt le contraire. Avec nous autres, peut-être, mais avec lui, c'est pas pareil. Tu trouves pas ça élevé du chantage comme ça, toi? C'est normal qu'elle l'aime pas. C'est à lui de pas venir se saouler ici. C'est vrai qu'il est rock and roll, là, mais... Ouais, il fume, il boit, il prend de la drogue, il écœure tout le monde. Moi non plus, je l'aime pas, ce gars-là, tu sais. Pizza. Stéphanie? Viens manger, ma grande. J'ai pas faim. Ah, faut quand même que tu manges, ma chouette. Maman, je suis tout nue, là. Ben, dépêche-toi de t'habiller, j'ai pas envie que tu perdes connaissance. J'ai rien à mettre. Entrez. Bonjour, Madame Couillard. Bonjour, Luc. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai pas commandé de pizza. Je suis venue vous voir. C'est gentil, assis-toi. Non, ça va. Mais qu'est-ce que t'as? Toi, t'as bien l'air préoccupé. Je viens encore de me faire voler le médium. Mais tu parles, toi. Ah, es-tu obligé de la rembourser? Justement, c'est ça le drame. Une partie de mon salaire passe là-dessus depuis un mois.
J'ai beau barrer la porte de la voiture quand je sors pour une livraison, le voleur a un truc pour la débarrer. Qui peut bien faire ça? Je pense savoir c'est qui. C'est qui? Le problème, c'est que je le connais bien. Ah ben ça, c'est pas une raison pour le couvrir, Luc. Ouais. Mais c'est pas facile à dire. Aimes-tu mieux le laisser faire? Je pense que c'est Michel, le voleur. Ben voyons donc, comment ça se peut pas? C'est pas Michel? Le voleur portait un chandail exactement comme le vôtre, avec les lettres SOSA. Il y a pas 56 adolescents qui ont un chandail comme celui-là. C'est pas vrai. Pas Michel. Je vous le dis, Madame Couillard. Mais c'est pas son genre de voler. L'as-tu vu faire? Ben oui. Je lui ai même crié, sauve-toi pas, je te reconnais avec ton chandail. Mais il est parti en courant. As-tu vu son visage? Non, j'ai pas pu. Je l'ai juste vu de dos. Alors comment peux-tu dire que c'est Michel? J'ai vu sa casquette. Non, c'est pas des preuves suffisantes, ça, Luc. Viens avec moi, on va aller lui parler. Viens. Qu'est-ce que tu manges, Michel? De la pizza. Elle vient d'où, cette pizza-là? Ben, ça se voit pas. Elle vient de chez Bambino. Qu'est-ce que je vous disais, Madame Couillard? Ça veut rien dire, ça, Luc. Ça veut peut-être rien dire, mais c'est une drôle de coïncidence. Vous trouvez pas? De quoi vous parlez, premièrement? Comment ça se fait que tu manges la pizza, toi? Ben, j'avais le goût, j'ai pas le droit. Luc vient de s'en faire voler une. Puis c'est quoi le problème, là? Il pense que c'est toi, le voleur. Hey, je suis pas un voleur, OK, là? Je le sais, Michel. Je t'ai dit que t'as du front, toi, pour m'accuser de même, bonhomme. Je regrette, mais j'ai des raisons de croire que c'est toi. Où est ton t-shirt SOS Animaux, Michel? Qu'est-ce que mon t-shirt a d'avoir là-dedans? Le voleur l'avait sur le dos. Oh, pas vrai. Où est ton chandail? Je sais pas. Depuis hier, je cherche partout. Il a disparu. Ça disparaît pas comme ça, un chandail, voyons. Je comprends. Je pouvais bien pas le trouver si on me l'a volé aussi. Qui aurait bien pu te le voler? C'est pas un peu fort. Le voleur aurait volé le chandail avant d'aller voler la pizza. Ah, ben ça, un voleur, c'est un voleur, hein? De quoi il avait l'air, le gars? Il portait une casquette pareille comme toi. Ben ça, c'est pas une preuve pour m'accuser, hein? De nos jours, tout le monde en porte des calottes. En tout cas, ça regarde mal pour toi. T'as pas le droit de m'accuser sans preuve. Pour moi, le chandail, c'est une preuve. J'ai bien peur d'être obligé d'appeler la police. Saute pas aux conclusions trop vite, Luc. Avant de te rembourser, je vais m'expliquer avec Michel, OK? Je comprends que vous voulez vous parler. Ben moi, je vais être obligée de rembourser l'argent en arrivant au restaurant. Je te reviens dans 2 minutes. Attends-moi. Viens. Non, ça marche pas. Entrez. Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu vas me croire si je te dis que je suis pas coupable, hein? Pas coupable de quoi? Mais tout le monde m'accuse tout le temps de 10 000 affaires que j'ai même pas faites. De quoi tu parles? Grand nia Luc, il vient de m'accuser d'avoir volé une de ses médiums. Tout ça parce que le voleur portait mon t-shirt de la Sosa. Ça tient pas debout, ça. Mais comme tu dis, je pouvais même pas le trouver aussi. Comme ça, quelqu'un te l'aurait volé. Qui aurait voulu faire ça? Je sais pas. Seulement Greg puis Bérubé qui sont venus depuis hier soir. Tu penses tout de même pas que c'est Greg? Steph, on sait jamais. Voyons donc, c'est bien plus le style à Bérubé. En attendant, c'est moi qu'on accuse. Ben, laisse-toi pas faire. Mais Steph, si je dis que c'est Bérubé, là, maman va savoir qu'il est venu ici. Eh ben, si tu le dénonces pas, c'est toi qui vas payer pour. Michel! Oh non. J'aimerais bien ça savoir ce qui s'est passé, Michel. Moi aussi, j'aimerais ça savoir. Bon. Alors, dis-moi, est-ce que c'est toi qui as volé? J'ai rien volé, OK, là? Je ne demande pas mieux que de te croire, Michel. Je suis pas mal tannée, moi. Plus de me faire voler mon T-shirt, je me fais accuser. Et où est-ce qu'il était ton chandail la dernière fois que tu l'as vu? Dans ma chambre, je pense. Et qui a bien pu te le prendre dans ta chambre? Je sais pas, moi. Est-ce que quelqu'un est venu te voir depuis hier? Seulement Greg. C'est tout?
Oui. T'es sûre? Je te le dis. Est-ce que Greg aurait pu faire ça, alors? Mais non, voyons. Mais j'y pense. Je l'ai peut-être perdu à l'école. Michel, pourquoi viens-tu de me dire que c'est dans ta chambre que tu l'as vu la dernière fois? Je pensais à rien. À l'école, il y a beaucoup de monde qui aurait pu le trouver. C'est bien étrange, tout ça. Plus étrange que ça, là, tu meurs. Mm-hmm. Mais il y a autre chose que je me pose comme question. Quoi? Où as-tu pris l'argent pour te payer une pizza? Dans mes économies. Mais quelles économies? J'en avais de côté. Mais voyons donc, Michel, hier, t'arrêtais pas de te plaindre que t'étais cassée. Qu'est-ce que tu me caches? Réponds-moi. Bon. Eh bien, ça prendra le temps que ça prendra. Mais je veux pas que tu sors de la maison tant qu'on n'aura pas tiré ça au clair. Hey, c'est pas vrai. Tu vas pas m'empêcher d'aller voir mon spectacle des Pop Rocks? Tu iras. Mais pas avant que tu me dises d'où vient l'argent. Ben, c'est pas juste. Hey, Steph! Salut, Greg. Toi aussi, tu manges la pizza? Et figure-toi que je l'ai trouvée! Elle est froide, mais elle est bonne quand même. Hey, c'est pas vrai. Quoi? Où t'as pris ton T-shirt? Je l'ai trouvé avec la pizza. Où ça? Dans la ruelle, près de chez nous. Dans la ruelle, elle est bonne, celle-là, hein? Tu pourrais inventer autre chose. Mais je vends rien. C'est pas vrai, Greg, t'as pas fait ça. Mais fais quoi? Je comprends pas ce que tu veux dire. Moi qui pensais que t'étais un chum pour Michel. Mais c'est sûr, Michel, c'est mon meilleur ami. OK, je vais te poser une question, Greg. Supposons que tu fais un vol. Mais c'est ton meilleur ami qui est accusé à ta place. Qu'est-ce que tu fais? Mais je ne serai jamais un ami être accusé à ma place, hein? Un chum, c'est trop important. Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce que Michel est accusé d'avoir volé une pizza. Le voleur portait son chandail. Hey, qu'est-ce que tu me racontes, là? C'est le même chandail que t'as sur le dos, Greg. Hey, tu penses pas que c'est moi le voleur? J'aurais jamais fait ça. Mais je sais qui c'est, par exemple. C'est Bérubé, hein? Oui, Michel. Il est dans la cuisine avec ma mère. Greg, me prêtes-tu le chandail? On s'en parlera. Là, faut absolument que j'aide Michel. Non, mais Greg, j'en aurais besoin. Avoir besoin d'un T-shirt? Ben oui, c'est pour la conférence ce soir. On verra. Greg, s'il te plaît. Bonjour, Madame Couillard. Bonjour, Greg. Michel, est-ce que je peux te parler? Ben oui, il n'y a pas de problème. Viens dans ma chambre. Hop, une minute, les gars. J'aurais des questions à vous poser, moi. En tout cas, c'est pas moi le voleur. Steph m'a tout raconté. Alors, comment ça se fait que c'est toi qui portes le chandail de Michel? Je savais pas que c'était celui de Michel. Oh, Greg, t'as pas fait ça. Tu m'as pas volé mon T-shirt. Hey, j'aurais jamais fait ça. Tu me connais trop pour penser ça de moi, bonhomme. OK, je te crois. Mais comment ça se fait que tu l'as sur le dos? Je ne peux pas parler. Où as-tu pris le chandail? Je l'ai trouvé. Où ça? Dans la ruelle, près de chez nous. Tu sais, Michel, celle que je prends toujours pour m'en venir ici. Et la pizza, tu l'as prise où? À la même place. Je comprends plus rien. Ça tient pas debout, ton histoire, Greg. Trouver une pizza et un chandail au beau milieu d'une ruelle. Mais c'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça. Pourquoi t'as fait ça, Greg? Mais j'ai rien fait. Je marchais pour m'en venir ici et j'ai trouvé la pizza et puis ce chandail-là. Je pouvais pas m'imaginer que c'était des affaires volées. C'est débile au cube, ça. Probablement que le voleur est parti en courant. Il a dû avoir peur et il a tout laissé tomber là. Et tu t'es pas posé de questions quand t'as vu que c'était le chandail SOSA de Michel? Mais j'ai bien vu qu'il était pareil, mais je pensais pas que c'était le sien. Ça tient pas debout, ton histoire, Greg. J'ai bien peur que tu me caches la vérité. Je te jure que c'est comme ça que c'est arrivé. Attendez, là. Je viens de comprendre, moi. J'ai dû me faire voler mon T-shirt à l'école. Le gars qui me l'a volé a été volé la pizza. Quand Luc de chez Bambino, il l'a vu, puis il a crié qu'il l'avait reconnu à cause du chandail, il a tout laissé tomber là, il a enlevé son chandail, puis il est parti. Hey, je pense que j'ai vu Denis Labrie fouiller dans ta case hier, hein? Et tu l'as pas dit à Michel? J'ai oublié, hein?
J'ai plus pensé, ça m'est parti de la tête. Je pense que vous vous mêlez pas mal dans vos mensonges, les gars. Je ne sais pas qui a fait le vol, mais ça regarde mal pour toi, Greg. Mais je vous jure que c'est pas moi, Madame Couillard. Ben, j'espère que non. Mais tant qu'on n'aura pas tiré ça au clair, j'aimerais mieux que tu restes chez toi. Maman, pas ça. Aïe, 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 aïe. Maman. T'es prêt à me parler, Michel? Ouais. Moi, je suis juste, c'est pas Greg qui a fait le coup. C'est qui, alors? C'est moi. Je m'excuse, je le regrette. Ben voyons donc, Michel, ça se peut pas, ça. Je te le jure, c'est pas Greg qui a fait le coup, c'est moi. Et le chandail? Quoi, le chandail? Comment ça se fait que c'est Greg qui le porte? Ben, c'est que... après avoir fait le vol, j'y ai donné. Ben voyons donc, Michel, ça se peut pas, ça. Pourquoi t'aurais fait ça? Certainement pas pour accuser ton meilleur ami à ta place. Ben moi, je savais pas quoi faire, j'étais super nerveux. Puis il m'avait déjà dit qu'il le trouvait beau puis qu'il le voulait, fait que j'y ai donné. Ça tient pas debout. Michel, pourquoi tu t'acharnes à mentir? Mais toi, pourquoi tu dis ça? Mais parce que je te connais assez pour savoir que tu me caches la vérité. Qu'est-ce que t'as, Michel? On a l'habitude de s'entendre pourtant. Bon. Tu ferais mieux de te dépêcher. Le temps file. Oh non, le spectacle commence dans une heure. Ah! Vite, Greg. Vite, faut faire quelque chose. Je suis sûre que c'est Bucubi qui a fait le coup. Moi aussi, je suis sûre. Je l'ai vu. Comment ça, tu l'as vu? Écoute, je marche dans la ruelle et je vois Bérubé au loin. Il court comme un fou. Je lui vois enlever son chandail et lancer quelque chose à terre. Je m'avance pour voir. C'est une pizza. Je pense que ça doit être un de ses mauvais coups. Mais en même temps, j'ai pas là pour laisser une belle pizza de même, hein? Mm. Moi qui n'ai jamais d'argent pour m'en payer. Mais pourquoi t'es venue ici? Pour la manger avec toi. Oh. Chance, t'as pas parlé de Bigby devant ma mère. Hey, c'était facile d'y penser. C'est aussi important pour toi que pour moi les pratiques. Maudit Bérubé en marde. En plus de venir me voler mon t-shirt chez nous, il me fait passer pour un voleur, l'écœurant. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, je pense que j'ai un plan. Ça se peut pas. Il dit que c'est lui. Je sais pas pourquoi il s'accuse comme ça. Il doit avoir ses raisons, hein? Mais pourquoi protéger un voleur? Un de ses amis? Quelqu'un qui le menace? Mais non. Michel, c'est pas un criminel, maman. D'après moi, là, c'est ni lui, ni Greg, le voleur. Mais pourquoi il me ment, d'abord? Il va bien finir par te le dire, maman. Qu'est-ce qu'il cache? De quoi il a peur? Maman, tu dramatises toujours. Ça doit pas être si grave que ça. Mais alors pourquoi il me parle pas? Il me fait pas confiance. Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Je sais pas, mais il paraît que la délinquance, ça vient toujours de la famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça aurait très bien pu m'arriver à moi aussi. Ben voyons, Stéphanie, on vous a pas élevé comme ça. Non, mais vous êtes pas souvent là, ça fait qu'on s'élève pas mal tout seul. Veux-tu dire que c'est de ma faute? J'ai pas dit ça, sauf que si vous étiez là plus souvent aussi... Bon, arrête de me culpabiliser, là. Je me sens assez mal de même. Excuse-moi, maman. C'est pas ça que je voulais dire. J'espère. T'es rien qu'un écœurant, Bégubé. T'as fait passer ça sur mon dos. Non, 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 non. C'est sûr que c'est toi. Menteur! Mon chum Greg t'a vu. T'avais peur de te faire poigner, mais c'est ça qui est arrivé. Écoute bien, Bégubé. C'est pas dans mon habitude de mêler tes affaires, mais là, ça passe sur mon dos. T'es pas correct, hein? Organise-toi pour réparer ça, bonhomme. Et c'est pas la première fois. Écoute bien, là. Tu vas aller dénoncer toi-même. Sinon, j'appelle la police puis je raconte tout ce que je sais. As-tu bien compris? T'as 15 minutes pour réparer ta gaffe. Tu y vas tout de suite, puis tu te grouilles. Je pense qu'on l'a eu. Ouais. Hey, je suis sûre qu'il a peur de nos menaces. Sauf que ce qu'il sait pas, c'est qu'on l'aurait jamais dénoncé. Ben non, on n'est pas des stoules, hein? Entrez!
puis? C'est presque réglé. C'est Bérubé le voleur? Justement, on a même des preuves. T'en fais pas. Ça va s'arranger. Bon, ben vous me tiendrez au courant, hein? En attendant, peux-tu sortir? J'aimerais ça me changer. On part dans 5 minutes, puis je sais pas encore quoi me mettre. Steph, j'ai pensé. C'est pour ça que t'es en bédaine, hein? Tiens, j'ai beau l'avoir trouvé, mais c'est pas à moi. Merci. Michel, voulez que je te la porte, vu que tu y tiens plus que lui. Et que vous êtes fin, merci. Wow! Les hommes se sont réveillés à temps pour protéger cette espèce en voie de disparition. Ils ont éliminé les pesticides comme les DDT et ils ont élevé en captivité des petits bébés faucons pèlerins. Non, je ne l'aurai jamais, là. Ben oui, Steph, t'es super bonne. Stéphanie, es-tu prête? Si on peut dire. T'es revenu, Greg. Il est même pas parti. Si vous êtes prêts à me parler, les gars, dépêchez-vous parce qu'on s'envole. Ouais, ça sera pas long. Tu vas comprendre. J'y vais. As-tu tes pastilles de glucose, Stéphanie? Oui, maman. Oui. Madame Couillard? Luc? Je suis venu pour m'excuser. Je me suis trompé en accusant Michel. On a découvert le vrai coupable, un dénommé Bérubé. T'es pas sérieux, pas Bérubé? Ben oui, il est venu lui-même se dénoncer. Il l'avait dit que c'était pas moi. Je suis vraiment mal à l'aise. C'est signe qu'il faut pas se fier aux apparences, hein? Je suis vraiment désolée. Ça arrive à tout le monde de se tromper, Luc. Mais je comprends toujours pas comment ça se fait que c'est Bérubé qui a ton chandail. Je te le dis, maman, j'ai dû me le faire piquer à l'école. Mmh. On en reparlera demain, OK? OK. Maman, ça veut-tu dire que je peux aller voir mon spectacle des Pop Rocks? Ben oui. Ah yes, maman, t'es super cool! Ah, ça, je le sais. Bien sûr, yes! On s'en va. Bon. Bye-bye. Fais bon show, les gars, hein? Salut, Luc. Salut. Comment qu'on va faire le show dans 15 minutes? Oh, on n'arrivera jamais à temps. C'est où, votre show? Au Collège du Vieux. Eh ben, je vous amène, les gars. J'ai justement une livraison à faire dans ce coin-là. Yes! Super! What the... Comme ça, t'as vendu tes BD? Ben oui. Je les ai tellement lus souvent que j'ai ça fait presque par cœur. À qui tu les as vendus? Ça, j'ose pas le dire, tu vas être fâché. Je gage que t'es vendu à Bérubé? Ben oui. Mais Michel, pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Ben, j'avais peur que tu me confisques ma batterie. Ah, je comprends, là, pourquoi tu disais rien. Maman, tu vas pas m'enlever mes pratiques, hein? Tu sais comment c'est important pour moi. OK, Michel. Mais comprends-tu, là, maintenant, pourquoi j'aime pas ça que tu te tiennes avec ce gars-là? Ben oui. C'est pas un chum, quelqu'un qui te vole. Non, en effet. Maman, j'ai faim, là, ça presse. Mmh. Ben, prends un jus, ma chouette, je vais te faire une omelette au fromage. Oh non, pas une omelette. On pourrait se faire venir de la pizza? Oh oui. Non, non et non. Oh, maman, pourquoi tu veux pas? Parce qu'on n'est pas pour se faire venir de la bouffe quand le frigo est plein. Hi! Regarde ce qu'on m'a donné. De la pizza. Oh non, c'est pas vrai. T'as pas fait le con, Greg. Eh ben non! Hey! Je te jure! On me l'a donné! Qui te l'a donné? C'est moi! Je vous ai apporté ça pour me faire pardonner. Oh, cinq balais! Hey, t'es excusé pas à peu près, hein? Est-ce que tu payes la pizza à chaque fois que tu fais une erreur? Pour la famille Couillard, je ferais n'importe quoi pour me reprendre. Eh ben, tu devrais te tromper plus souvent. OK, mais la prochaine fois, on va mettre ça sur ton dos. Oh, ben! Bon! Let's go, là, on va manger ça, cette pizza.